بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 22 sur le cours du système de deux équations à deux inconnues. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. X et Y, deux nombres réels, résoudre le système suivant. 1 sur X plus 3, moins 4 sur Y moins 2 est égal à moins 1. 4 sur X plus 3, plus 6 sur y moins 2 est égal à 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ce système. En posant, bien sûr, ça c'est un agent auxiliaire qui va vous aider à résoudre le système. En posant 1 sur x plus 3 est égal à a et 1 sur y moins 2 est égal à b. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. X, Y, deux nombres réels. On a, puis je vais copier mon système. Voilà. Maintenant, je vais utiliser 1 sur x plus 3 qui est égal à a et 1 sur y moins 2 est égal à b. Si on pose 1 sur x plus 3 égal à a et 1 sur y moins 2 est égal à b, alors le système deviendra va prendre cette forme plus simple en comparaison avec la première. 1 sur x plus 3 c'est a, donc je vais écrire a, moins 4 fois 1 sur y moins 2, et 1 sur y moins 2 c'est b, donc moins 4b est égal à moins 1. L'autre équation, 4 sur x plus 3 c'est 4 fois 1 sur x plus 3, c'est-à-dire 4a, plus 6 sur y moins 2, c'est-à-dire 6 fois 1 sur y moins 2, autrement dit, 6b est égal à 4. Maintenant, on va résoudre ce système. Je vais utiliser la méthode de substitution. Je vais changer un petit peu. C'est-à-dire a est égal à 4b moins 1. Et je remplace a par sa valeur dans l'autre équation. 4 facteurs de 4b moins 1 plus 6b est égal à 4. C'est-à-dire a est égal à 4b moins 1 4 fois 4, 16, donc 16b moins 4 plus 6b est égal à 4. A est égal à 4b moins 1. 16b plus 6b, c'est 22b. Qui est égal à 4 plus 4. J'ai déplacé moins 4 à l'autre côté. A est égal à toujours 4b moins 1. 22b est égal à 8, donc b est égal à 8 sur 22. Je réduis par 2, ça donne a est égal à 4b moins 1, avec b est égal à 4 sur 11. Maintenant, je remplace là-haut b par sa valeur. Ça donne a
est égal à 4 fois 4 sur 11 moins 1. Et B toujours est égal à 4 sur 11. Cela signifie aussi que A est égal 16 sur 11 moins 1, c'est-à-dire moins 11 sur 11. Et toujours B est égal à 4 sur 11. Finalement, A est égal à 5 sur 11, B est égal à 4 sur 11. Donc on a trouvé A et B. Donc on va revenir à X et Y. On sait que un sur x moins 3 est égal à A. Et 1 sur y moins 2 est égal à B. Donc, et je remplace A par sa valeur. Donc 1 sur x moins 3 est égal à 5 sur 11. Et 1 sur y moins 2 est égal à 4 sur 11. Maintenant, je vais utiliser une propriété que vous connaissez bien sur les proportions. Ce nombre fois celui-là est égal à celui-là fois celui-là. La même chose ici, que vous appelez aussi la règle de 3. Moi, je ne l'appelle pas la règle de 3. Moi, je l'appelle la règle des proportions. Donc, 5 facteurs de x moins 3 est égal à 1 fois 11. Et 4 facteurs de y moins 2 est égal à 1 fois 11. Ça, c'est 2. Donc, je développe le produit 5 facteurs de x moins 3, ça donne 5x. 5 fois moins 3, c'est moins 15. 1 fois 11, c'est 11. Et 4 fois y, c'est 4y. 4 fois moins 2, c'est moins 8, qui est égal à 11. Donc 5x est égal à 11 plus 15. Et 4y est égal à 11 plus 8. 5x est égal à 26. Et 4y est égal à 19. X est égal à 26 sur 5. Et y est égal à 19 sur 4. On a trouvé x et on a trouvé y. Donc on a trouvé le couple xy. Conclusion, le couple 26 sur 5, 19 sur 4 est la solution unique de ce système. Et la solution unique de ce système. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.